18h sur Gabon News, bienvenue à tous dans ce journal, voici les titres. La problématique des nouveaux quartiers qui se créent de façon quasi spontanée à Libreville et ses environs. Zoom ce soir sur Bizongo Biberet, cette ancienne bourgade sans eau, électricité et route qui sollicite toujours sa part d'émergence. Et puis cet atelier de formation qui s'est ouvert ce lundi à Libreville, sur les techniques d'écriture artistique dans le domaine de la comédie, une initiative de l'artiste gabonais Omar Defunzu qui excelle actuellement dans le One Man Show. La première édition de l'école d'été internationale sur les savoirs ethnobiologiques s'est ouverte ce lundi à l'Institut français de Libreville du 22 juillet au 3 août prochain. Chercheurs étudiants du Gabon et d'ailleurs recevront une formation de haut niveau dans ce domaine visant la sauvegarde des connaissances traditionnelles des plantes et des animaux. Muriel Doyenné, Frendongo. Située entre le PK12 et Bikele, Bizongo Bibere, cette ancienne bourgade qui, au jour le jour, a opéré sa mue pour devenir un quartier à part entière, est déjà confrontée à de nombreuses difficultés. La route est catastrophique pendant la saison sèche, la saison de pluie, on ne peut pas passer les petites voitures. C'est à cause de ça que les travaux ne peuvent se faire qu'en saison sèche. Ici, les maisons. Assis autour d'une table, avec des cahiers pour des prises de notes et les dictionnaires pour enrichir leur vocabulaire, ces jeunes Gabonais sont à l'école de l'humour et sont attentifs aux explications du formateur. Une bonne occasion pour eux d'acquérir les rudiments nécessaires. Le but de cet atelier, c'est de préparer les humoristes à une carrière humoristique digne de ce nom, leur donner tous les rudiments, les éléments, les outils nécessaires pour pouvoir évoluer dans ce métier. Et cet atelier a été une. Située entre le PK12 et Bikele, Bizongo Bibere, cette ancienne bourgade qui, au jour le jour, a opéré sa mue pour devenir un quartier à part entière, est déjà confrontée à de nombreuses difficultés. La route est catastrophique pendant la saison sèche, la saison de pluie, on ne peut pas passer les petites voitures. C'est à cause de ça que les travaux ne peuvent se faire qu'en saison sèche. Ici, les maisons se construisent sans aucune organisation. Une des principales difficultés dans ce nouveau quartier, c'est la route, car impraticable en saison des pluies. Si j'ai un message à lancer, c'est de dire aux autorités que ces endroits qui ont déjà les routes, où les gens ont déjà les terrains, il va falloir qu'ils tiennent compte de tous ces détails et qu'ils viennent mettre la route et qu'ils mettent des adductions d'eau et d'électricité. Ça peut permettre d'élargir la ville. La ville ne va pas se quadrer seulement dans les vieux quartiers. Il va falloir que la ville s'élargisse jusqu'au petit bout du village. Hein, rappelez-vous, il y a 5 ans, on n'était pas comme ça. Rappelez-vous, il y a 10 ans, Mindoumbe n'était pas comme ça. Pour éviter que ce quartier émergent ne connaisse les mêmes problèmes qu'à Kébé, Kembo ou encore Kingélé, le gouvernement devrait le plus tôt possible se saisir de ce dossier et procéder à la viabilisation de ce quartier en commençant par la route, l'eau et l'électricité. Vous l'avez rectifié de vous-même, il s'agissait bien là de l'état des routes dans le quartier de Bizongo Biberet entre l'OPK12 et Bikele. L'artiste comédien Omar Defunzu Ongenge a initié un tour, sinon un atelier de formation sur l'écriture et la mise en scène du sketch ce lundi à Libreville. Une formation qui va durer une semaine et qui voit la participation de plusieurs jeunes Gabonais. Le compte rendu de Martial Tsonga et Rufi Tsoga. Assis autour d'une table, avec des cahiers pour des prises de notes et les dictionnaires pour enrichir leur vocabulaire, ces jeunes Gabonais sont à l'école de l'humour et sont attentifs aux explications du formateur. Une bonne occasion pour eux d'acquérir les rudiments nécessaires. Le but de cet atelier, c'est de préparer les humoristes à une carrière humoristique digne de ce nom, leur donner tous les rudiments, les éléments, les outils nécessaires pour pouvoir évoluer dans ce métier. Et cet atelier a été initié dans le cadre de la 3e édition du Festival international de l'humour africain, donc le FIA 2013. Nous avons pensé que pour avoir de bons humoristes demain, il faut passer par une formation. Un atelier de formation qui permet à l'artiste Defunzu de donner ce qu'il a de meilleur en lui, tout en inculquant aux autres son savoir artistique. J'ai eu l'opportunité, la chance de participer à plusieurs ateliers. Et je me suis payé une formation l'année dernière à Paris à l'école de One Man Show. Donc je crois que j'ai les outils nécessaires pour pouvoir transmettre cette connaissance-là aux jeunes qui veulent faire ce métier.
Nous avons initié la soirée Jeunes Talents humoristes. Donc nous allons récompenser le meilleur jeune talent masculin et le meilleur jeune talent féminin. Et pour les récompenser, pour faire en sorte que ce travail soit bien fait, il fallait donc initier ces ateliers. Voilà qui devrait interpeller et inspirer les uns les autres à enseigner, à donner de leur savoir à ceux qui en ont besoin. En attendant, les ateliers se poursuivent jusqu'au 27 du mois, qui ouvriront les compétitions du 30 juillet pour la finale du 1er août prochain. L'actualité hors de nos frontières, la tristesse et l'inquiétude ont fait place à la joie aux cheveux de Nelson Mandela à Pretoria. Sud-Africains et touristes internationaux s'étaient donné rendez-vous à l'hôpital Mediclinic pour souhaiter un joyeux anniversaire et surtout une bonne guérison au premier président noir de la nation arc-en-ciel. Le reportage de Kenyongori, Karl Fonga et Frendongo. Dès les premières heures du matin, touristes, agents de sociétés locales, élèves, étudiants et plusieurs autres franges de la société sud-africaine et internationale ont pris d'assaut la devanture de l'hôpital où se trouve hospitalisé Nelson Mandela pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Aujourd'hui, je viens le remercier d'avoir fait de nous des hommes et des femmes libres. Je prie pour son rétablissement afin qu'il puisse guérir maintenant et se lever de nouveau. Hospitalisé et affaibli par la maladie, c'est donc un soutien doublement manifesté. Un joyeux 95e anniversaire à Tata. Bon rétablissement et encore joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Le Nelson Mandela International Day est bien plus qu'un anniversaire, mais l'histoire d'un homme qui s'écrit chaque jour et surtout à chaque anniversaire. Toujours à Pretoria, les médias venus des quatre coins du monde continuent de squatter devant l'entrée de l'hôpital Mediclinic où est encore internée l'icône de l'anti-apartheid Madiba. L'objectif, avoir la primeur de l'information. Retrouvons Kenyongori, Karl Fonga et Frendongo. C'est une journée internationale et l'anniversaire le plus médiatisé de la planète. Les médias du monde entier déjà présents en terre sud-africaine ont déployé le dispositif de grands événements pour ce jour particulier de Nelson Mandela Day, pour ne rien manquer, mais surtout pour en faire un scoop. Gabon News, BBC, BFM TV, AFP, France 24, Tswane TV, comme plusieurs autres médias, sont à pied d'œuvre pour ravitailler leurs différentes stations, mais surtout pour montrer le caractère mondial de cet anniversaire au moment où on s'attendait au pire. Le Nelson Mandela Day aura été, ce jour, l'événement le plus médiatisé. Retour à Libreville, le Spa Yassine a ouvert ses portes le week-end écoulé à plus de 150 personnes dans le cadre de son programme spécial sport-été. Plusieurs activités étaient au programme de cette journée de remise en forme gracieuse, agrémentée par une tombola. Douglas Tontoum et Justin Bitegui. Danse, gymnastique, fitness, halter, vélo, tapis et piscine, autant d'activités sportives au programme de la journée sport-été organisée par le Spa Yassine et ses partenaires. L'objectif, c'est de montrer d'abord ce que nous, on propose aux clients, à nos adhérents, ainsi de suite. Alors, nous avons proposé l'aquatonique, c'est un cours qui se passe à la piscine. Nous avons proposé le biking, qui est un cours d'activation cardiovasculaire, qui se passe à un cours de vélo. Voilà, ça se passe dans une salle, avec des vélos bien sûr et un prof pour animer le cours. Nous avons proposé également le step, nous avons proposé la salsa que vous voyez derrière nous. Nous avons proposé les cuisses abdos-fessiers. Dans cet espace sportif, chaque encadreur avait pour objectif de faire travailler des parties spécifiques du corps de ses pensionnaires. La jambe au-dessus, on va décoller, comme ça. Bien, tout petit mouvement, on va. C'est dans la boîte. Le chasseur d'images est mort, c'est dans la boîte. Chaque participant à cette journée sportive a eu droit à un ticket de tombola avec de nombreux lots à gagner, tels que des billets d'avion, des abonnements au spa. Le prochain rendez-vous aura lieu très prochainement avec, nous l'espérons, plus d'adhérents. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité du jour. Merci pour votre attention. L'information se poursuit sur www.gabonnews.com. À demain, même heure.